Bien. Alors, nous avons Xavier Woods ici. Alors, j'ai pu refaire un petit peu aussi mon entrée, hein. Je me suis créé un petit titantron. Il y a une mise à jour aussi où je peux faire une entrée normale avec une ceinture autour de la taille. Ça, c'est cool. Parce que j'appréciais pas trop l'entrée championnat dans la main obligatoire. Donc là, c'est cool. Alors là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La folie des 24, c'est vrai. Il y avait Matt Riddle avec cette putain d'horreur. Bro, I got a proposition for you. Want to trade titles? My 24/7 title that I just won off of R-Truth for your Intercontinental title? Alors, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, A Matt. trade? I haven't been here very long, but I'm pretty sure that's not how it works. T'imagines un titre où tu peux échanger un autre titre? Oh, C'est come n'importe on, quoi. bro. You gotta learn to think outside the box. Like, so far out that the box never even existed. Kind of like your IC title shot. See you around. En plus, il n'y a jamais eu ce titre, Matt Riddle. Quoi, c'était tout? Non, il y a eu une autre conversation. You ready to live a little and let me take a shot at your IC title yet, bro? Allez, let's Sure. go. You ready to let me take a shot at your 24/7 title? Je peux essayer de te prendre ton titre. You've got Hey, yourself a deal. allez, let's Can we go. schedule a surprise attack by the scooter rack at the loading dock? Hein? I'd say you might want to brush up on the definition of surprise, but I'm not interested in surprises. Let's make this an official Le title match on mec, il Raw. a quand même dit, hey, ça te dirait que tu m'attaques par derrière dans les coulisses, ce serait trop cool. Center stage, baby. Let's go. Sa cure de désintox, elle est pas finie à Matt Riddle, hein, c'est un truc de fou. Toujours des idées de merde. Blague à part. Hein, gros retour de désintox de Matt Riddle et de Jeff Hardy il y a pas longtemps. C'est cool de les revoir. Monday Night Raw. The man destined to be top dog. It's the lock. Ah, bon, c'est un peu glitchy avec la tenue, mais c'est pas grave. Enfin, je l'ai autour de la taille et pas obligé de la tenir en main, quoi. C'est beau de l'avoir autour de la taille. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est de la balle, ça, c'est de la bebonce, c'est de la. Royang. One of the most beloved superstars in WWE, Matt Riddle. One of the toughest too. And introducing the champion, representing RK-Bro from Las Vegas, Nevada, weighing in. Ah ouais, avec sa petite crotte là, son petit Waiting for Seven. Est-ce qu'il va y avoir les oiseaux? J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il va y avoir les oiseaux, les rhinocéros ou coquesses? Ah, je kifferais. Mettez les oiseaux, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas les oiseaux! Quel dommage! Quel dommage, il n'y a pas les petits oiseaux. Il n'y a pas les petits oiseaux. C'est dommage. Ah là là, allez pour le titre 24/7. Titre qui est plus actif, Dieu merci. Emporter le titre 24/7 en le battant sur le ring. Oh bah let's go. Allez, on commence direct avec des coups de pied bien partés, bien placés. Attention, on continue avec un bon coup de coude dans la tronche. Je suis champion intercontinental, ma gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on lui laisse pas de temps. Par contre, ça aurait été mieux de l'attaquer. De l'attaquer par derrière, hein. Ça aurait été plus simple, disons. Mais bon. Enfin, arrête de. Alors. Faut pas trop te protéger aussi, Matt. Faut aussi attaquer un petit peu. Hein. Tiens, là par exemple, je viens de t'attaquer. Pour la deuxième, elle n'est pas passée. Mais pour le moment, ça va. Ah, je me suis fait choper. Protection de la corde. Il esquive encore. Oh, joli. C'était beau ça.
Non, attends. Me touche pas, me touche pas. Touche-moi pas. Touche-moi pas, Jésus. Jésus en calbut. Aïe. Ça fait mal au dos. J'ai mal aux os. Ah, ils vont en faire une deuxième. La deuxième. Bon. Pour le moment, ça commençait bien, mais ça continue mal. On va récupérer, Il n'y a pas de raison. Allez, un coup de poing dans la domaine, on contre. Ah, il recontre derrière. Allez, je recontre. Voilà, je reprends l'avantage. Je reprends l'avantage. C'est parti. Là, j'ai su la placer, Ma Swanton. Parfait. Et si je lui plaçais... Voilà, un petit kick. Ok, parfait. Allez, je vais faire un petit moonsault. Voilà, histoire de... Ça, c'est bien placé. Et il me contre. Une machine à contre, hein, Riddle. Machine à contre. Ça, c'est le passif UFC, ça. C'est son passif à l'UFC qui est en train de remonter. Dans le jeu, il est technique ou il est bagarreur, Riddle? J'en sais rien. J'ai pas regardé. En même temps, je m'en fous. Un peu. Let's go. Ah, le coup de genou. Allez, maintenant j'enchaîne. J'enchaîne les coups. Oh, je l'ai fait saigner. Oui, je pense que je l'ai fait saigner. Allez, contre. Hop, je recontre. Parfait, magnifique. Allez, springboard moonsault. Parfait, ça passe bien. Attention, je vais te choper. Et attention à la batte. Oh, esquive dernier moment, putain. Ah, ça, par contre, c'est dommage que c'est pas passé. Le Devil Trigger. Qui passe bien. Ah, par contre, il va avoir un... Voilà, il va se dégager. Il va se dégager tout de suite, c'est pas grave. Voilà, pas de souci, pas de souci. J'ai un finisher, mais il me le contre. Il me le contre, ça passe pas. Oh putain, ce high kick! Ah merde, il va me faire sa bro mission. Il va me faire sa bro mission. Bro. Allez, ça passera pas, ça passera pas, je suis pas assez affaibli. Ok, nickel. Je crois qu'Andy Orton il va m'en vouloir d'avoir tapé son ancien partenaire en équipe. T'as pris le 24-7, ok, mais tu l'as pris à Riddle quoi. J'avais dit on touche pas à Riddle. Même si techniquement il me l'a jamais dit. Ok. Ok. Allez, je la finis en soumission. J'ai une flemme. Je vais pas vous mentir, j'ai une petite flemme. Ah non, le rope break. Dommage. Attention! Skadoosh! Magnifique, ça c'était de la plancha. Ça c'était de la plancha. Plancha barbecue. Ok, let's go. Allez, lève-toi. Lève-toi. Bon, le trigger, c'est parti. Devil trigger. Allez, ça passe. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Putain, il me le contre encore. Machine à contre. Hop. Non. Faut que je la faiblisse. Faut que je le paralyse. Pas le choix, parce que là... Faut que je le paralyse un petit coup. Ça va être compliqué là de le paralyser pour le moment. Non, ça passera pas.
La frustration chez Riddle, elle commence à build up là. Non, tu m'auras pas. Boom! Est-ce que je l'ai là? Ouais, là je l'ai. Là je l'ai, c'est bon. Allez, mind blown. Tombé. Ça passe, c'est bon. Je suis champion 24/7. Surtout un titre qu'on peut me piquer à n'importe quel moment de la journée et tant qu'il y a un arbitre. Le titre hardcore me manque un peu quand même. Hein. Il était sympa ce titre. Mais bon. Message à la Bro Army. On doit mettre revanche au goût du jour. Oh non, hashtag revanche, hashtag revanche. Matt, tu mérites pas de revanche. Il n'y a que le véritable amour de mon bébé qui... Ah putain, je peux pas... Ah, attendez. Matt Riddle, tu mérites pas de revanche. Il n'y a que le véritable amour de mon bébé qui mérite une deuxième chance. Et si j'organisais un match de prétendant numéro 1 pour déterminer qui peut tenter sa chance au prochain match pour le titre 24/7. Mais ça marche pas comme ça, ça a jamais passé comme ça, putain. C'est de la merde, votre truc. Tu veux dire qu'on n'a pas besoin de t'attaquer pendant que tu poses ta pêche aux toilettes du vestiaire? Non, merci de pas faire ça. On va se contenter de préparer un vrai match. Ouais, ça serait cool. T'es un génie, mon gars. Moi et mon bébé, on vote pour. Oh putain. Mais pourquoi un match prétendant numéro 1 au titre? C'est n'importe quoi. Mais c'est de la merde. Non, j'ai eu une idée de merde. Mon perso a eu une idée de merde. Non, c'est d'une débilité... Incroyable. Reggie. Wow! Reggie est là! Il est pas dans son gimmick de super-héros! Mais par contre, il est dans une tenue pas super pratique pour catcher. J'ai envie de dire. Conserver le titre en battant Reggie. Putain, j'aurais pas pensé qu'on verrait Reginald. Mais en même temps, si, c'était un petit peu logique. Un peu logique d'avoir Reginald et R-Truth. Ils se sont donné une guerre sans merci pour le titre. Contre à contre. Ah, j'ai pas pu l'avoir. Et il fait pas de backflip là, le Reggie. Et quand même, je m'attendais pas du tout à le voir dans le jeu, en tout cas, ce mec. Hop là, esquive. Tac. Si seulement la moitié des matchs pour le titre 24/7, il se serait passé comme ça, ça aurait été beaucoup plus impressionnant. Tiens, je vais te faire bouffer la caisse. Tiens, et mon point. Nope. Allez, bouffe mon genou. J'ai dit bouffe mon genou. Non. Bouffe mon genou, j'ai dit. À terre. Voilà, c'est bien. Allez, on va l'exploser. Non. Allez. Non. Merde. Hop là. Oh, belle esquive. Hop là, esquive moi-même. Tiens. On va passer à table. À table, vous avez compris? Parce que je l'ai mis sur la table. Eh ben, il veut pas passer à table. Ah, j'ai pas réussi à l'esquiver. Je vais passer à travers la table. Aïe. Ça fait mal. J'ai mal aux os. Allez, non. Oh l'arbitre, il est trop fort. Oh l'arbitre, il a une force phénoménale. Il a carrément retourné le téléviseur. C'est incroyable. Oh le mec, c'est lui qui mérite le titre de champion en vrai. Ah mon dieu.
Me suis cassé la gueule, c'est tout mouillé par terre en plus. Non, c'est pas vrai. Reggie trying to make a fool of his opponent. Allez, allez, allez. Bah quoi tu dis? Bah il descend pas. Skadoosh. Tiens. Est-ce que je peux le faire abandonner? Je tente la soumission. Ah bah non, il me contre. Ouf. Oh merde. Oh merde. Ah non. Oh, je me suis pris son finisher. Ouh, c'était chaud. Bon, ça va, il m'avait pas piqué toute ma vie, tant mieux. Attention. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas réussi. Ah, j'arrive pas à esquiver. J'arrive pas à contrer, c'est horrible. C'est horrible, j'arrive pas à esquiver. C'est bon. Putain. Mais tu peux pas arrêter d'esquiver et de contrer. T'es chiant. Ah putain, on va y arriver. Mais arrête de lui faire des coups de pression, tape-le. Mais tape-le pour de vrai, ce serait bien. Et on passe à table. Ça passe. Allez, le tomber. Deux. Non, il se kick out. Merde. Je vais les... Il va falloir que je l'éclate, hein. Allez, je vais l'usurper. Histoire de mettre le point final là-dessus. Voilà. Allez, ça devrait passer. Parfait. Et je conserve. The dual champ may not have it for long though. Here come Riddle and R-Truth hot on his heels. Mais ils étaient pas en... Mais ils avaient pas un match, hein? Mais ils avaient pas un match, ces deux cons. Wow. Au secours. T'es vraiment sûr de toi avec ces histoires? C'est un peu le bazar ce truc avec le titre 24-7. On t'a pas vraiment embauché pour ça. Je peux parfaitement gérer deux titres. Ok, on verra bien. Bah, vous m'avez pas embauché pour ça, mais bon, j'ai le droit... J'ai une chance pour le titre quand même. Ces histoires de 24-7 attirent de plus en plus de monde, on dirait. On a qu'à faire un Fatal 4-Way à Hell in a Cell pour le titre 24-7. Ah ouais, carrément! On sent enfin le respect qu'il mérite. On va se mettre en 4. Ce beau gosse est pas bête. Tu peux compter sur moi. Bah, let's go. Première fois qu'on va avoir un... Ouais. Et en plus, c'est un pay-per-view. Premier à réaliser un tombé ou une soumission pour conserver le titre. Oh putain, je suis obligé de le faire. On fait chier. Je suis champion intercontinental et puis je suis vraiment dans, avec le titre du bad card, quoi. C'est horrible. Je suis un mid-carder, bordel. Attendez, j'essaie de revoir un petit peu toutes mes possibilités. Tiens, bouffe. Tiens, oh merde, c'est moi qui ai bouffé là. Tiens, bouffe. Ça, c'est des petits enchaînements qu'on aime bien. Oh oui, mais il a réussi à me choper. Toujours un beau bordel, hein, les Fatal 4-Way. Ah, il a empêché l'arbitre de... D'accord. Vas-y, je roule. Je récupère un petit peu mes esprits. Voilà. Je le laisse se battre. Ouais,
Alors, Air Trousse. Bon pompier. Art Truth, c'est le seul mec que j'ai pas affronté là-dedans. Pas réellement. Oh, il est amoureux de sa chaise, Matt Riddle. Non. Ah, j'ai pas réussi. À des moments, les contres, c'est ric-rac. Surtout sur certains coups, je sais pas où le timing va être placé. Allez, direct. Archouf ouvert. Ouvert à la tête. J'en ai fait saigner un. En plus de deux. Oh, le salaud. Oh, il m'a alpagué là. Bon, c'est pas grave. Il y a Reggie, je peux m'occuper de Reggie, pas de problème. Moi ça me dérange pas, bah, on dirait que ça dérange à Reggie quand même un petit peu. Oh putain, je sais pas sur qui je suis, je sais pas sur qui je suis focus. Mais bon, ça passe. Oh putain, Reggie qui m'a... Ah, il m'a alpagué là. Il m'a fait bouffer son bras. Ah, par contre, si je perds sur soumission, ça va pas me plaire. Non, ça va. Ça va. Allez, on va s'armer un petit peu. Non. Mais salaud, putain. Arrêtez de me contrer. Tout le temps. Ah, merde. Mais je peux utiliser mon kendo stick. Et Riddle, il est on fire, là. Il est on fire, le Riddle. Oh putain. Non, j'ai le 2 sur la gueule. Merde. Ah non, mais il est... Oh non, il est trigger sur la... Oh merde. Mais putain. Je suis dans un tombé infini. C'est bon. Ah, c'est bon, putain. Oh la vache, là c'était Ah, la soumission elle niveau priorité pour le jeu, elle est au-dessus du tombé. J'ai pas passé trop de temps à l'extérieur du ring parce que passer trop de temps à l'extérieur du ring, c'est prendre un gros risque de pas être là pour casser le tombé ou la soumission. Bah tiens, là par exemple. Allez, je me fais Reggie. Scalouche. Je peux faire une soumission. Non, il va me stopper. Il va me stopper direct, c'est pas grave. Faudrait qu'il y en ait deux qui se battent à l'extérieur. Ce serait le meilleur bail. Et que j'arrive à placer un tombé pendant que il y en a un à terre et l'autre est occupé à faire quelque chose. Par exemple une prise super longue ou un truc du genre. Non. Aïe. J'ai bouffé le... Hop là, est-ce qu'il... Non, tu la placeras pas. Moi non plus je la placerai pas, mais tu la placeras pas non plus. Oh là là, la vache. Oh les dégâts. Ah, il a tué Art Truth là. Oh putain, il m'a fait un spawn buster. Oh le salaud. Ah oui, oh, il veut le récupérer son titre. Il veut le récupérer à fond. Ah désolé, je vous ai interrompu les mecs, désolé. Faut que je continue à foutre la pression sur Reggie. Sans que Art Truth vienne me faire chier. C'est qui le plus low life là-dedans? C'est Art Truth. Pour le moment.
Me touche pas, me touche pas. Whoop. Casse le tombé. Vas-y, lève-le. Oh, ils sont dans... Oh, vas-y, ils sont occupés maintenant, 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 maintenant. Non, non, le jeu qui m'interdit d'être heureux. Le jeu qui m'interdit d'être heureux. Allez, ça contre bien. Ça me recontre. J'arrive pas à contrer. C'est bon, l'arbitre qui me sert de bouclier humain, c'est parfait ça. Ah non! Oh bordel! Mais j'ai trois finishers, je peux pas en placer un! Ouf! Allez, il veut. Vas-y, brise le tombé, voilà, moi je me repose en attendant. Quelle galère! Putain de galère, je suis un putain de galérien. Mais d'où ça va taper? Non, putain, merde. Oh, chier. Pas atteint l'objectif. Oui, bah ouais, merci. Oh, j'ai pas eu le temps de revenir. Ah, et puis les Fatal 4-Way, c'est tellement délicat. C'est tellement délicat les Fatal 4-Way en vrai. Allez, on reste focus. On reste focus à mort. On se focalise sur Reggie. Hein. On se focalise sur Reggie principalement. Voilà, hop. Petit coup de tatane sur la tronche. Ça passe bien. Ça lui remet les items en place. Oh, mais à quel moment ça touche pas? Oh, quelle merde ces springboards. J'y arrive pas. Ok, bon bah... Je vais laisser s'amuser entre eux. Je prends mon petit kendo. Allez. Bon bah... Vas-y. Cassez-vous la gueule à l'extérieur, moi je dis rien. Moi ça m'arrange, au contraire. Moi je suis bien comme ça. Bon, comme ça je récupère ma vie. Je récupère un peu de santé. On m'a totalement oublié, c'est très bien. On m'a totalement oublié. Jusqu'à ce qu'on m'oubliera plus. Alors je vais peut-être avoir Reggie. Non, toujours pas. Les gars, je me sens un peu seul. Je me sens légèrement seul. Même Riddle est dans un... Moi je m'en fous, hein, je suis tranquille là. Au pire, moi je ramasse les miettes. Hein. Moi ça m'arrange, je ramasse les miettes. Non, allez, je vais bosser un petit peu. Putain, en fait, ils sont obligés de se battre. Ils sont obligés de se battre à 3. Hein. On peut pas se battre que à 2. Non, faut qu'on soit à 3. Ah bah ouais, il m'a focus un petit moment et puis après il s'est dit, oh non, je vais aller les emmerder eux. Hop là! Oh, joli! Oh, j'ai compté par deux fois là, c'était beau. Oh! Je pensais pas que c'était pour moi. Oh non, mais les trois ils sont sur moi, pourquoi?
Attention, vous allez pas gagner le titre à 3, hein, c'est pas possible. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais ça a fait ça. Tant mieux. Il me contre. Ah merde. Quand on a deux sur toi, c'est l'enfer. C'est l'enfer quand on a deux sur toi. Oh non, 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 non. Non, et puis je suis pas. Ok, ça va. Tant qu'ils ont de la life, ça va, ça passe. Mais non, t'étais focus sur Artruf. Putain. T'étais focus sur Artruf et d'un coup tu passes sur Riddle, n'importe quoi. J'ai pas prévu le coup. Si j'arrive à focus un petit peu sur Riddle. Non, bah il se refocus sur Artruf, c'est pas grave. Ah, il faut que ça passe cette fois. Ok. Pour le moment c'est good, pour le moment c'est good. Pour le moment on est bien. Si je peux faire une soumission. Vas-y, je tente. Bah non, je spam les boutons, mais il me dit que non, je spam pas. C'est bizarre. C'est très étrange comme situation, hein. On va pas se mentir. Mais non, putain. Focus Artruf. Moi j'ai rien fait. Puis tout à l'heure c'est lui qui t'attaque. Artruf, c'est lui qui cherche la merde, hein, avec tout le monde. Allez, let's go. Let's go, je le chope. Let's go, je le chope. Let's go, je suis bien. Là, je suis bien. Non. Putain, oui, c'est vrai. Il a ça, lui. Ah, c'était pas prévu comme ça, mais ça fait, c'est chouette. C'est bien quand même. Non! Dégage du ring! Et merde, putain! Ah non! C'est mon tombé! C'est mon tombé! C'est à moi! À moi! Putain. Quel enfer! Lui, faut que je le dégage. Mais non, putain, focus Reggie. Va falloir que je change le système de ciblage parce qu'il m'énerve. Il m'énerve. Oh damn. Je fasse gaffe à la santé de Riddle, c'est surtout ça. Vas-y, soumission, soumission, direct, allez, allez, allez. Ça passe pas, ça passe pas. Ça passe pas. What? Mais il m'a cancel juste en se relevant. D'accord, ok. Merci. Bon, tant que je me repose. Retour à terre. Oh putain, il a changé son focus sur moi en 2 secondes. Je l'ai pas vu venir. Et on se relève tout de suite parce que. Là, si je peux le dégager, que je fais le tomber sur Riddle. Allez, je m'en profite, j'en profite. Let's go! Allez! Bouffe ça! Reunited with his titles and it feels so good. You think he has a favorite? It certainly feels like he's growing attached to that 24/7 title if you ask me. Favorites or not. Un titre, c'est un titre. Un titre, c'est un titre.
Un titre, ça se prend. Et ça se conserve. Info, après une étude plus poussée, il s'avère que Matt Riddle a obtenu le titre 24/7 de façon illégale, ce qui veut dire que Psycho Jack n'était même pas censé... Quoi ? Excusez-moi ? De façon illégale, ce qui veut dire que Psycho Jack n'était même pas censé pouvoir le remporter. Les changements de possession du titre ayant eu lieu depuis sont donc considérés comme nuls et non avenus. Mais je suis plus champion 24/7 ! Je peux avoir des explications ? C'est pas ma faute, Jack, hors de la direction. Arthur, tu récupères ton titre. C'est une arnaque, c'est ça ? J'ai failli avoir une crise cardiaque. C'est toi le champion, champion, et je crois qu'on... Et je crois qu'on dit crise cardiaque. Pourquoi j'ai... Crise zodiaque. Oh putain, c'est drôle. Mon bébé est de retour. Smiley pas content. T'as perdu trop de temps avec ces idioties 24/7. La direction a prévu bien mieux pour toi. Concentre-toi sur la récompense qui t'attend. La vraie récompense. Mais je voulais le 24/7. Je voulais le conserver. J'allais donner un petit peu de prestige à ce titre. Il a jamais été mieux traité qu'avec moi. Scénar terminé. Je suis dégoûté. Oh, je suis deg. Bah, pour me réconforter, je vais augmenter ma soumission. Oh merde. Ça dit quoi sur les réseaux? On parle beaucoup de cette histoire du titre 24/7, mais n'oubliez pas que Psycho Jack reste le champion intercontinental et ça, ça mérite le hashtag respect. Ouais, bro. Eh, tu devrais peut-être te bouger un peu le tu sais quoi, je veux qu'on gagne des titres pour Evolution, mais pas celui-là. Un titre, c'est un titre! Merde! Putain, mais ils sont casse-couilles les gens! Madame Pierce, qu'est-ce qu'il me veut? Listen, I'm not gonna lie to you. We're a 3-hour show and sometimes you just need to book a match. And it's already been a long day. So in that spirit, would you be a team player and step into a fatal four-way tonight? I do not have a good reason to pitch you, but picking up a win never hurts. Ouais, je suis juste un bouche-trou, quoi. C'est un match bouche-trou. Allez. Allez, let's go. On va faire un match bouche-trou. Qu'est-ce qu'à faire? Qu'est-ce qu'à faire, de toute façon? Oh. Tommaso Ciampa. J'ai pas encore vu sa tenue. Ah bah oui, c'est sa tenue quand il est... Quand il était équipier de The Miz. J'espère qu'il se remet bien en tout cas de son opération, lui. Ensuite, next est Cédric Alexander, j'ai l'impression. C'est ça. Oh, avec sa tenue style My Hero Academia. Très classe. Très très classe. Ensuite, c'est qui? Ah, c'est Dominique Mysterio, exact. Dominique. Le petit Dom Dom. Le petit Dom Dom à sa momie. À sa mamie, pardon. Take a good look at the new face of WWE. It's the Lock. Et le champion intercontinental, bien entendu. Allez. On s'y met. Putain, deuxième Fatal 4-Way, ça va être gagné. Essayez de gagner Fatal 4-Way, donc on s'en fout si je perds. Pourquoi ces 4 superstars, ça a pas l'air un peu random? Oui, complètement. Complètement, mais bon. Une victoire reste une victoire, même dans un match random. Oh,
Et pour l'instant, ça se fight avec Cédric Alexander. De leur côté, c'est Dominic Mysterio qui surpasse Tommaso Ciampa, mais la vapeur se renverse. Hop. Coup de pied, il passe pas. J'ai eu zéro réaction là. Non, lâche la miche. Coupe mon genou. J'ai pas eu le temps de réagir. Ça fait mal à la tête. Ouais, techniquement, s'il y en a un qui gagne le Fatal 4-Way, il peut prétendre être prétendant numéro 1, un titre intercontinental, hein, techniquement. Et entre ces trois-là, bah, j'aimerais bien Cédric Alexander. Alexander, il fera un bon champion intercontinental, hein, avec les capacités athlétiques. Tiens pas, c'est bon, il y a eu un bon palmarès pour le moment avec NXT. Un titre solo dans le main roster pour Alexander depuis qu'il y est, ça lui ferait pas de mal. Hein. Mais foutez-moi la paix! Putain. Je ne mérite pas autant de haine! Bon, je suis tranquille là. Je suis posé sur les cordes. Pendant que Cédric Alexander se fait masser le dos. Allez, je me farcie de Ciampa. Je me fais de Ciampa. C'est pas grave, il va se dégager. Ah, car... What? Ok, j'ai perdu plein de vie, je me demande pourquoi. Le jeu a considéré que je me suis pris sans finish. C'est complètement con. C'est de la stupidité stupide. Stupide idiot, comme dirait Chris Jericho. Mais j'ai ce qu'il veut. Oh, les multiman là-dedans, c'est toujours un plaisir. Alors, par contre, il y a trop de kendo stick là. Allez, lâche-moi. Oh non, c'est du 2 contre 1. C'est du 2 contre 1. Je suis prêt à un finish, c'est mauvais. C'est très mauvais. Ok, normalement je devrais pouvoir me récupérer d'un tombé si un tombé. Ciampa qui en profite pas pour venir me. Si, il profite pour me venir m'arraver la gueule. Mais Dominic Mysterio qui me sauve la vie. Pendant ce temps, je roule et j'arrête de rouler et je continue à pleurer comme un bébé. Et Dominic qui arrive pas à mettre son 619 parce qu'on l'a dérangé. Bah désolé mec, hein, désolé d'exister bro. Ouais, puis moi ça fait 5 minutes que je dors là. Je vais me servir en dessous du ring. Il y a trop d'armes qui ont été sorties, hein, pendant ce match. Allez, je tape Ciampa. Dégage, Alexander. Ouais, là j'en ai marre, je veux que ça se termine. Et je te contre. Ah non, mais putain. Mais je pensais pas qu'il allait courir, j'avais contré. Ok, bon, c'était très bizarre, encore une fois. Putain, Dominic, il casse les couilles.
Allez, oh, tu prends vite tes aises, jeune homme, j'ai envie de dire. J'ai tenté. Ouf, double coup de poing dans la tronche. J'aurais préféré le faire dégager du ring. Bon, vas-y, si je lui tape une soumission. Ah non, ça va viser la tête, mais la tête elle est jeune, ça va pas être suffisant. J'ai pas pris le bon mec pour faire une soumission. Je vais stopper parce que sinon, ouais, de toute façon. Exactement, t'as tout compris. J'allais pas avoir la soumission là. Eh merde. Dominique qui est en train de... C'est bon, ils l'ont cancel. La cancel culture. Parfait. Non. C'est chier. Juste pour me projeter dans l'autre coin, c'est... Utilité zéro. Oh, tiens pas, attention. J'ai pas... C'est bon. Tiens, bouffe la chaise. Si je lui fais bouffer mon finish, ça peut passer. Non, putain. Oh non. Ok. Très étrange comme situation, mais ça passe quand même. Il y avait encore de la life, j'avais pas fait gaffe. Qu'il y avait encore de la life. Ah non, non. Lâche. Mais non, putain. J'arrive à placer ce coup alors qu'il y en a un qui est debout. Dégage de là. Mais merde. What? J'ai contré. Même le jeu il a dit que j'ai contré. Sur l'arbitre, sur le juge. Les Power Rangers, Bob l'éponge. Que ce soit, qui représente la justice. Aïe. Ça commence à faire long pour un match optionnel, je vais pas mentir. Ça commence à être un peu long là. Oh non, non. Ah non! Fais chier. C'est bon, ok. Ils ont break up. Allez, parce que j'ai la flemme d'attendre. J'ai pas réussi, putain! J'arrive pas à mes contres! J'arrive aucun contre. Et je vais passer trois quarts d'heure assis dans le coin. Mais. Oh putain, j'ai esquivé. Je pensais avoir esquivé. Mes coups, ils mettent 15 ans de trigger par rapport à l'heure, merde. J'aimerais bien me lever, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, ça passe. Ouf. Oh bordel. Enfin. Il était long ce match. Il était très très long. Enfin très très long. Comparé à des matchs My Faction, ça allait encore. Programmation à l'arrache. Parfait. Alors ça dit quoi sur les réseaux? Bon, ce match c'était... quelque chose, hein.
Si tu le dis. Si tu le dis.